Hey hey hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Isaac Afterbirth plus Motherfuckers! Épisode 30. Et aujourd'hui, vu que j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, on va faire un run avec Isaac. Le run bien classique, comme on aime chez nous. Alors ça donne quoi ça? Curse of the Lost, ça commence bien. Voilà la seed de ce run. Et on va voir jusqu'où on va aller, hein. Allez, déjà on va aller en haut. Direct des araignées, bon. Ça va. En même temps, on est dans Cellar, je veux dire. C'est un peu l'étage chiant. Mais bon. Ouh, Lust, ok. Wow. Juste faire un peu gaffe quand même. Mais bon, si je continue comme ça, voilà. Ça, c'est quoi? Télépise. Oh merde. Juste au boss. Ok, bon, ben, fuck. Bon après, Widow Rose, c'est pas vraiment le pire. Honnêtement, c'est peut-être même le mieux, en fait. Pour Cellar, je suis content de tomber dessus, limite. Parce que même sans item, vous voyez, ça se passe très bien. Pas de soucis. Alors, mais en plus, c'est bien que je joue à Isaac maintenant, parce qu'il y a un booster pack qui va bientôt sortir. Je sais pas quand, enfin bientôt, quand je dis bientôt, c'est dans quelques jours, semaines, je sais pas. Mais dans pas si longtemps que ça, il va y avoir le prochain booster pack, et ça peut être intéressant. Et puis franchement, Myth, il faut le prendre, hein, c'est damage up. Hein. Tout ce qui est damage up, tu prends, tu réfléchis pas. Quoi. Et celui-là, en plus, il vient avec un HP up gratuit, donc donc c'est plutôt cool. Et du coup, j'aimerais bien trouver l'item room pour trouver un super item qu'on va peut-être reroll ou pas, ça dépend. Enfin, remarque, non, si c'est un super item, on va pas le reroll, on va le prendre, mais... Enfin, vous avez compris, quoi, voilà. Ça c'est cool. Bah c'est très très cool même. Ah c'est moins cool d'un coup là. Si je peux avoir une clé éventuellement. Genre maintenant. Dans cette salle. Bah écoute. Bon ça valait pas tout à fait le coup mais bon. C'est pas grave. J'ai regagné ma bombe en fait. C'est comme si j'avais rien fait. Ah une clé ça c'est cool. D'accord, donc ça c'est la salle... C'est là où j'avais commencé. Ok, donc par là y'a rien. Putain, l'étage il est grand ou... La vache. Non, c'est juste Curse of the Lost, j'ai juste pas la map, du coup je trouve tout grand et tout. Ok... Donc en haut y'avait Lust, ouais. À droite... Y'a la Curse Room, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Waouh, y'a Guppy Scholar. Je prends, pas de soucis. Je veux dire, Guppy Scholar, quoi. Super comme truc. Un tiers de Guppy. Oui, j'aurais dû prendre le cœur, je suis con. Et oui, tu as une légère tendance à ne pas être full light quand tu sors d'une curse room au premier étage. Juste, hein. Espèce de gros con. Alors, ça, c'est le shop. Bah, c'est pas super viable. Je veux dire, ça sert à rien, même, en fait. Elle est où, cette putain d'item room de merde? Elle est à gauche? Non, à gauche, j'en viens, je crois. Ouais, c'est le boss, ça. Elle est où? Ne dis pas qu'il y en a pas, hein. Nah. Elle est là. Alors, du coup... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Best friend! Alors, nope. Datsuki. Ah bah non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une batterie dans le sac? Ça serait cool parce que Datsuki là... J'aurais pas dû la prendre en fait. Wheel of Fortune. Si ça pouvait spawner des machines pour reroll, ça serait cool ça, tiens. Faudrait qu'il y ait une carte qui fasse ça, putain. Ça serait trop cool ça. Ouh, putain, ça aussi c'est cool. Waouh. On va aller au shop en fait, parce que s'il y a une batterie au shop, ça m'intéresse. Ouais, je vais encore prendre mon temps au début de cet épisode là. Le shop il était par là, il me semble. Non, pas du tout. Il y a encore deux pièces là, si jamais. Il est où ce putain de shop? Il est en bas, c'est ça? Ouais, ok. Ok. Il n'y a pas de batterie, bon. Il y a une machine pour reroll, mais ça on s'en fout.
On va prendre ça, écoute. Puis on va quand même faire péter le mec et la machine, du coup. Toujours pas de batterie. Remarque, je peux faire jusqu'à ce qu'il y ait une batterie, en fait. Il n'y en a toujours pas. Ah, j'aurais bien pris le cœur gris, mais bon. Putain, mais... On va le faire quand même. Hein. Sérieux? Bon, bah, fuck. Hein. Ça sera un cœur gris, puis c'est tout. Hein. Tant pis pour l'item. De toute façon, j'ai eu mythe, c'est déjà très bien. Et puis j'ai pas mal de cœur. Non, franchement, je me sens bien, là. Ce run commence bien. Juste pas trop que je fasse de la merde, mais... enfin, ça, on sait tous que ça va arriver, de toute façon. Ah, voilà. Ah, basement 2, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait pas plaisir comme salle, par contre. Genre de salle chiante. En plus, du coup, j'ai plus de bombes du tout. Ah oui, je crois qu'on m'avait dit de tenter les Angel Room dans un épisode. Je sais pas si ça sera celui-là. En plus, j'ai même pas de bombes. Remarque, c'est vrai que j'ai le trinket du caca. Ouais, du coup, on ira carrément au shop, là. Avec le nombre de clés, de pièces, de trucs et de machins. Ce trinket est trop bien. Non, franchement, ouais, quand tu l'as à Cellar 1 ou enfin au premier étage. Oh putain, génial. Oh oui, le fruit cake. Le fruit cake, j'adore le fruit cake. Alors qu'en vrai, le gâteau aux fruits, mais je suis plus chocolat quand même. Ah putain, ouais, bon. Waouh, mais c'est bon ça, dis donc. Ouais, donc le fruitcake, bah pour ceux qui savent pas, bah c'est assez clair, je trouve, hein, de toute façon. Mes tirs sont random. Et du coup, des fois, ça explose. Alors attends, on va quand même faire gaffe dans cette salle. J'aimerais bien trouver le shop d'abord. Histoire de peut-être avoir une batterie aussi de disponible. Peut-être trouver une bombe. Faire des trucs. Ah putain, pas ça. Merde. Ah, c'est pas par là. Bon, après, c'est vrai que quand les tirs sont random, il y a un petit temps d'adaptation à avoir quand même. Vu que c'est le merdier, quoi. Et j'aimerais beaucoup une bombe. Enfin, j'aimerais bien quelque chose en fait. Un truc bien. Parce que des trucs bien, il y en a, quoi. Ouais, Curse Room, ouais. Oh oui, Guppispo. On va le faire 2-3 fois, ouais, comme ça, ça me paraît bien. On peut le reroll aussi, faut pas oublier. Ah putain, une batterie là en plus, j'ai pas de bombe. Ah. Et là, il y a le shop, ok. Wow, la vache. C'est très bizarre. Fruitcake, j'adore ça, putain. J'adore tout ce qui rend le run plus fun, quoi, tout simplement. Ansus, c'est pas mal. Alors, Nuns Habit, ça c'est vraiment pas mal. Enfin, le Habit, en fait. On va le prendre, hein, de toute façon, c'est bien à ce point-là. Y'a pas de bombe. Y'a pas de bombe. Mais, le fait d'entrer dans la Curse Room me donnera un reroll. Donc, je pense qu'on va plutôt faire ça. Hein. Ouais, pas besoin d'acheter la clé, c'est bon. Ok. Failli oublier ça. Si on peut devenir Guppy maintenant, ce serait parfait. Bon, remarque, Pentagram, je vais pas m'en plaindre. Hein. Bon, on n'aura pas de reroll pour le deal éventuel, mais bon. Ah, parce qu'on a toujours pas... Enfin, remarque, si on a des bombes, bah, on verra bien. En tout cas, c'est Monstro. Oh, ok. Il était fire. Hein. Enfin, il est... Non, il est complètement déboussolé, en fait. Ah, putain, du coup, il m'a sauté dessus sans faire exprès, quoi. Mec, comment tu fais, quoi? Quand tu veux me viser, t'y arrives pas, et là... c'est n'importe quoi. Bon, enfin, dans tous les cas, on aura un deal, ça, c'est sûr. Est-ce que le deal va être cool? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que c'est Guppy? Ça serait génial. Ça, on va le laisser là pour l'instant. C'est pas Guppy du tout, c'est Krampus. Alors Krampus, c'est intéressant du coup, puisque du coup les Angel Room deviennent totalement viables. Ouh, c'était juste... Ah putain, merde. Le petit souci, c'est que j'ai toujours pas de bombe, moi.
Dommage pour ce cœur noir là. Oh, ok, non, ça va, c'est. C'est compensé, y a pas de problème. Ah, j'aurais pu. Putain, ouais, je suis con, j'aurais pu me blesser sur une flamme pour reroll la Head of Krampus. Ah, bah merde, du coup, je peux pas. Par contre, je vais me blesser pour reroll cette merde là. Bah voilà. Ah, ouais. C'est pas beaucoup mieux, mais bon. Pretty Fly, ok, c'est cool. Tears Up, oh mon dieu. Verp, oh putain, oui. Et Speed Down, bon. Ouais, la speed ça fait un peu chier, mais honnêtement, le Tears Up quoi. Waouh. Ok, bon bah. Nickel. Putain, il est bien ce run, la vache. Curse of the Blind, ça c'est pas terrible. On va quand même faire la rune de vision pour savoir où on va. Vous voyez comme quoi ça sert, vu que j'allais aller par en haut et l'item room est juste en bas. Merde, merde, merde. Allez, Guppy, Guppy, Guppy. Ça peut être Guppy, non? Ah ben on sait pas. Nodeleaf, ok, c'est pas mal. Ça veut dire que je peux gagner si je veux. Dès que je bouge pas, je suis invincible. On va aller à droite, le mini-boss qui est là, là. La vache. Putain, ouais, le Tears Up, il fait du bien, la vache. Tellement bon. Bon, tu peux crever au lieu de spawner des trucs, toi. Voilà. Alors, mini-boss, c'est Wrath. Ah oui, donne-moi des bombes, putain, mec. Ah ouais, là, il en faut, en plus. Un rocher X et tout. Ah bah, fais-le péter toi-même, ouais, voilà, nickel. Oh putain, oui. Bombe dorée, ça, c'est vraiment cool. Parce que, du coup, bah ça va me permettre de prendre tous les trucs qui sont là, déjà. Ouais, il me faudra un tout petit peu de speed up, quoi, parce que là, je suis en dessous de 1, donc c'est pas génial. Mais bon, ça peut l'être. Hein. Faut aussi aller au shop, hein, du coup. Ah, merde. J'aurais peut-être dû laisser une flamme, ouais. Enfin, remarque, non, c'est pas très grave, parce que j'ai des bombes infinies, donc je peux me blesser quand je veux. Luck up, ça, c'est cool. Ce run. Ok, ça, c'est une salle qui est un peu moins bien, quand même, hein. Ouh la vache. Allez, dégage. Ah cool. Y avait un truc à reroll. Non, hein, j'ai rien vu de... Ah mais non, de toute façon, il y a la curse. J'ai pas tellement intérêt à reroll, du coup. Enfin, je veux dire, si, peut-être, dans le cadre de... Enfin, je sais pas quoi, mais de... Enfin, bref. Vu que je peux pas vraiment intervenir là-dessus. Alors ça, ben ouais. Pas terrible pour l'instant. Ah mais ça me fait plein de pièces parce que le fruitcake c'est trop bien. Des fois ça donne l'effet du Eye of Greed, je crois que c'est. Qui transforme les ennemis en statues dorées. Et qui leur fait dropper des pièces quand elles crèvent. Donc ça c'est vraiment cool. Et on va carrément aller au shop qui est juste là. Alors, le shop, des gens à prendre ça. Et des gens à le faire péter, lui. Et on va prendre ça. Oh, c'est Chaos! Putain, ça me drop une batterie. Intéressant. Ça, c'est quoi, du coup? Infested, ok. Pourquoi il y a des batteries juste quand c'est Curse of the Blind? Sérieux, quoi. Bon, bah, le boss. The Hollow! Dans une petite salle. Mais bon, c'est un petit hollow, donc ça va. Ouh, ça va, ça passe, à l'aise. Voilà, Angel Room, yes. Ok, bon, bah on va le faire, du coup. En plus, j'ai des bombes. Ah. Est-ce que je peux prendre les deux? Non, bon, bah j'ai pris Belly Button. Qui me donne cancer, mon dieu, mais ce run. Ce run trop génial, quoi. Ah, mais je sais pourquoi ça m'avait donné Belly Button, c'est parce que j'ai Chaos, du coup les Angel Home c'est moins bien en fait. Enfin, remarque, non en fait, les Angel Home c'est moins bien, certes, mais c'est mieux que les Devil Home du coup. Ça aurait très bien pu être Brimstone, c'est ça que je veux dire. Parce que dans les Angel Home c'est les mêmes items, mais gratuits quoi. Bon, sauf que ça c'est la clé du coup, bah. On sait jamais, hein. Ça c'est cool, puis vu que j'ai des bombes, hein. Ouais, j'ai essayé de la pousser, mais...
Ok. Et du coup, cet item, bah, on va voir ce que c'est. Bob's Curse. Bah écoute, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Allez, on descend. Putain, cancer et tout. Oh, le vache, ce run, il est trop cool. Curse of the Unknown. Putain, mais il y a tout le temps une curse, quoi. Alors, c'est quoi tout ça? Ok, pas génial. I'm Drowsy, c'est bon à savoir. Télépil, Tears Up. Est-ce que Tears Up? Oui, ça baisse encore. Génial. On va prendre Télépil, on sait jamais. Je veux dire, pourquoi pas, hein. On peut toujours se sortir d'une situation de merde avec une Télépil. Oh la vache. Non. Non plus. Encore moins. Ah mais t'es toujours là toi. Ok. Putain j'adore ce setup. J'adore quand ça tire vite moi de toute façon. Donc, Ah j'aurais aimé tuer le champion. Voilà, comme ça tu reviens pas. Une batterie en plus. Ça c'est vraiment cool. Ouh. Ça elle était un peu compliqué, mais en fait ça va. Ça s'est bien ficelé tout ça. Voilà. L'item room, j'aimais bien. J'aimais bien. Ouais, ou la curse room, ouais. Faut remarquer la curse room après. Vu que j'ai chaos, les items sont pas forcément des items. Mais bon, on s'en fout, on va y aller quand même. Ouh. Ouais, on va lui donner 2-3 coeurs pour voir. Jusqu'à ce qu'il me donne un truc. Putain, par contre, mec, donne-moi un truc! On va reroll, hein. Oh putain! On va pas le prendre, hein. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le reroll à nouveau, en fait. J'hésite. Je sais plus combien de cœurs j'ai, du coup, mais on va quand même le faire. Ça devient Mister Mega, j'accepte totalement. Ça va, ça peut vraiment être pas mal, ça. Allez, toi, tu meurs. Toi aussi. Et le shop. C'est pas le shop, c'est la library. Oh mon dieu, c'est génial. Alors par contre, ouais, elle est pas terrible, celle-là, mais bon. Bah, elle est pas terrible dans le sens où il y a des pics devant les items, quoi. C'est juste ça. Donc, à la limite, on verra peut-être plus tard si j'ai une solution. Oh la vache. Eh vas-y, c'est chaud comme sale, ça. Wow. Ah, il reste un truc, effectivement. Voilà. Donc c'était pas le shop, ok. Je garde ça en tête. Wow. Je crois que je la connais, cette pilule, non? C'était pas Verp? J'ai un doute. Ah non, c'est Speed Down. Ouais, bon, on va l'oublier, celle-là. Hein. Ok, l'item room et le shop. C'est nickel. Oh, bien. Eh bah, décidément. Bobby Bomb. Oh, la vache. Non, mais moi, tout ce qui donne plus de bombes, hein. Et puis des effets sur les bombes, c'est marrant comme truc. Comme ça, ce qui est bien, c'est que j'ai des bombes random, quasiment. Et des tirs random. Bon, remarque, j'ai tellement de bombes qu'on va les péter, ceux-là. Ça me rajoute une petite chance de deal, donc c'est cool. Hein. On va aller peut-être quand même à la library. On va juste aller voir là, ce qu'il y a par là. On va juste péter les portails d'abord. Oh la vache. Non, 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 non. Non! Chier, bon bah tant pis. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Rien que des mauvais trucs. Celui-là on le prendra en sortant, faudra pas que j'oublie. Je sais pas, ce qui chasse aussi cette curse de merde, je sais pas combien je suis là. Je sais pas si c'est bien raisonnable cette library quoi. Enfin, je sais que j'avais quelques cœurs gris quand même en arrivant dans l'étage, mais... Il n'y en a pas eu des masses dans cet étage non plus.
Peut-être qu'on va juste aller se faire le boss avant. Hein. Le boss c'est méga fatigué, champion en plus. Ok, ça c'était très très juste. Enfin, je pouvais rien faire du tout, mais... Mais c'était très juste. Mais honnêtement, ça va assez vite, hein, je... Ouah, je trouve que ça va. Voilà. Et les petites merdes. Scatter bombs. Je sens que je vais le reroll, ça honnêtement, j'aime pas trop cet item en fait. Bizarrement. C'est marrant, mais c'est pas utile quoi. Enfin remarque, si je reroll, je peux pas reroll la library après en fait. On va voir. Ouais quand même, finalement on va faire... Hein. On va faire ce que je viens de dire qu'on va pas faire. Ça veut rien dire. On va quand même aller voir précisément ce qu'il y a dans cette putain de library, quoi. Parce que quand même, ça peut valoir le coup. Genre, Mystery Sack, c'est pas si mal, mais je sais pas si ça vaut... Non, vous savez, quoi. Alors là, déjà, c'est mieux. Déjà, il y a le pacte. Je veux dire, le pacte, tu le prends, c'est tout. Ça m'a encore fait un tear-zap, mais oui, c'est vrai, putain. On va quand même aussi prendre ça, parce que Halo of Flies, c'est tellement cool, ça le vaut, franchement. Le reste, non. Hein. Bon. Allez, on se casse. Parce que j'ai un petit peu peur pour ma vie, parce que je me suis fait toucher pas mal de fois. Avec la Curse Room et tout aussi. Et puis la library qu'on vient juste de faire. Mais bon, honnêtement... Alors pourquoi il y a une librairie par contre, ça je ne sais pas, j'ai pas eu de bouquin. Peut-être juste random, hein, je sais pas. Je ne sais pas. Allez, Nécro 1. Oh putain non. Pas encore. Chier quoi. Et ça c'est Gulp. Oh bien. Ah, du coup ça a gulpé les deux. Parfait. Ça m'a gulpé mes trinkets, c'est-à-dire je les ai avalés. Et du coup je les ai de manière permanente. Donc c'est super cool. Ce run il est trop cool putain. Et en plus il y a un cœur noir là. Waouh. J'aime. J'aime quand un plan se déroule sans accro. Pourquoi il y a autant de cœurs noirs d'un coup là? Enfin, c'est pas du tout une critique, hein. C'est très bien les cœurs noirs. Tout ce que je demande dans le run, c'est un petit speed-up à un moment. Mais sinon, voilà. J'aimerais bien prendre ce cœur quand même. Je peux pas. Je peux pas. Ah non, je... Attends. J'ai un doute. Est-ce qu'il m'a échappé? Non, il m'a... Non, je pense que je peux pas, en fait. J'hésite à aller dans la Curse Room. Non, en fait, j'hésite pas du tout. J'aurais dû. Ouh, quoique. Ouais, celui-là, je le prends tout de suite parce que, bah, la Curse Room, quoi. J'ai pas tellement envie d'y retourner. Putain, le nombre de cœurs blancs, noirs. Après l'épisode gris, c'est l'épisode multicolore, celui-là. C'est. Ouais, c'est ça, c'est l'épisode arc-en-ciel, voilà. C'est. C'est le rainbow! Ah, ok. Ah non, 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 non. Une clé pour avoir une clé, c'est pas génial. Une clé pour un coffre, ouais. Bah écoute, c'était très bien. Toi t'es mort. Ok. Rocher X, y en a pas. Ok, très bien. Enfin, j'espère. Ah oui, merde. Remarque, j'ai scatter bomb, c'est vrai. Bon bah. Je sens que contre les boss, ça va être drôle ça quand même. Parce que j'ai eu plein de trucs de bombes quoi. Les bombes font mal. Prends la clé. Il me faut l'item room et le shop, hein, ouais. Bah voilà le shop. Ouh, la librairie peut-être, va savoir.
Ça serait cool. Ça c'est speed d'un. Putain, mais arrêtez avec cette pilule. C'est super grid, ça ça fait super chier. Wouah la vache. Ça c'est pas vraiment toi que je voulais voir mec. D'un côté du fric j'en ai largement assez. Donc on va reroll ce truc. Oh putain. Vous allez m'en vouloir si je le prends pas, non? Oh, et puis merde. Alors, Missing No, donc. D'un côté, je suis devenu Guppy, quand même. Et je tire... Ah, je tire... Ah, j'ai ça. Bon, ça va que ça s'en va dans un étage. Ok. Est-ce que j'ai le PhD? Non. Ok. Donc, je suis Guppy, je suis invisible. D'accord, ouais, je vois ce que j'ai comme truc. Je suis aussi devenu môme. Je suis peut-être même devenu encore autre chose. Ah du coup, ouais, mes cœurs ont dû changer, la vache. Ah, j'ai eu un speed-up, par contre, ça c'est cool. Et j'ai toujours le D6, ça c'est vrai que c'est... Faut remarquer que ça sert plus à rien, maintenant. Je veux dire, je change à chaque étage, si tu veux que je m'en fous du D6, quoi. Ah, est-ce que j'ai Lusty Blood, on dirait. Oh mon dieu, c'est bien, ça. Bah écoute, si je meurs... Bah non, du coup... Si je meurs dans cet étage, je reviens en Judas, ouais. Par contre, prochain étage, ben, j'aurai pas Judas Shadow. Ok, bon ben... Pff, ce run devient donc n'importe quoi. Hein. Mais bon, des fois, n'importe quoi, c'est marrant aussi. Oh, ce bloat. Pas vraiment le genre de boss que je veux voir, ça. En fait, si je le vois plus jamais, ce boss, bah, franchement, ça serait cool, quoi. Ah, merde, merde, merde. Oh, merde. Oh, remarque... Bon, ça a plus ou moins marché. Ah, j'ai la Curse of the Tower, en fait. D'accord. On va prendre ce truc pour que ce soit reroll après. Et que ça me laisse un cœur, quand même. Et là-dedans... Oh, la vache. Bah, écoute, ne serait-ce que pour cette salle, on va prendre ça, hein. Ouais, ça marche. Regardez, je tire des diamants, maintenant. Et puis, on va se donner la deuxième moitié de la clé, alors. Ça, c'est pas reroll. C'est comme les transformations. Pas trop faire le con, parce que là je lui fais super mal quand même. Voilà. Bon, au moins, bah, si on y arrive, on aura accès à Méga Satan. Hein. On a les deux moitiés de la clé. C'est bien, je suis invisible, mais discret, quoi, vous voyez. C'est-à-dire, je suis pas du tout là, quoi. Ok, bon, bah, on va descendre. Hein. De toute façon, le boss rush, c'est mort. Je pense que Hush, c'est mort aussi. Enfin, oui, c'est complètement, même. Ah, j'ai eu Lord of the Flies, ok. Alors je tire comment? Ouh, j'ai Tech X. Tech X très rapide, parce que j'ai toujours le cancer, je pense. Ouais, vous voyez, j'ai toujours des tirs à 4, donc... Non, ça peut être drôle. Ok, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. J'écoute, meurs, hein. Ah ouais, du coup, j'ai perdu tous les trucs de bombe. Oh. Enfin, remarque, j'en ai 99, du coup, mais... On va juste aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est un speed-down. Remarque, j'ai peut-être eu... Non. Ok, bon, bah. Et remarque, au moins, je vois mes cœurs cette fois. Et ça, c'est cool. C'est très, très cool, ça. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça change pas. Les transformations seront toujours là, donc... Au pire du pire des cas, je suis quand même Lord of the Flies, Guppy et Mom mélangés, quoi. Et aussi autre chose, il me semble, je sais plus. Ouais, ça c'est fait, barrez-vous. On est très bon là quand même. Hein. Ah, j'ai les homing tears aussi. Cool. Ansus, bah voilà, ça c'est cool. Alors on va où du coup? On va en bas, effectivement, c'est par là. Très très cool. Chub, je l'ai one-shot. Très bien. Autant prendre ça, hein. Pff, ah bah je peux prendre les deux, d'accord. Autant reroll ça, du coup. Ah bah ça devient l'autre. Lol. On va juste voir... Ah mais non, je peux péter les crânes. Oh.
Eh bah écoute. Welcome to the jungle, comme on dit. Hiérophante, bien, je vais garder ça plutôt. Hein. Et puis on va aller vers le shop, parce que le shop c'est quelque chose qui existe et qui est très très bien. Hein. Putain, mais en fait je suis cheaté dans cet étage, c'est hallucinant quoi. Non, si je prends ce truc, la hiérophante va disparaître et j'ai pas tellement envie. On va acheter le cœur tant qu'à faire. J'ai tellement de pièces, j'en ai rien à foutre. On va en donner même. Ok, on va en donner une donc. Super. Je suis généreux. Enfin, c'est la machine, c'est pas moi. Hein. Allez, mom, one shot. Presque. On a un deal. On va aller au chest. Hein. Huh. Alors honnêtement, je préfère de très très loin ce truc, Eucharist. Ah non, en fait j'ai confondu avec un autre. Bon, tant pis. Eucharist en fait, bah pour ceux qui comprennent pas les stats qu'on voit là, ça fait en sorte que tu as toujours une Angel Room. C'est exactement la Goat Head mais en Angel Room. Merde, c'est vrai. Alors, mon plan c'était de poser une bombe contre lui, mais vu que j'ai Léo, j'ai défoncé le rocher, donc... On va aller, voilà. Parce que l'autre c'était Immaculate Conception, l'objet de l'Angel Room là. C'est à chaque cœur rouge que tu ramasses, en fait au bout d'un moment tu vas avoir des familiers angéliques. Et mon dieu que je suis lent! Alors par contre, triple shot, ou un damage nul à chier. Putain, c'est quoi ce... C'est quoi cette merde? Télépils, paralysie, speeddown, eh ben dis donc. Oh la vache! C'est quoi cette lenteur infâme quoi? Ah mais j'ai eu l'ard, c'est pour ça. Enfin je crois hein. Enfin ça peut être que ça qui donne un speeddown aussi terrible quoi. Oh, on va quand même faire ça, mais je suis lent là. Bon après, ouais, niveau dégâts, c'est vrai que j'ai quand même triple shot, guppy, tout ça. Ça va quoi. Et j'ai continuum, et ça c'est cool. Parce que moi j'aime continuum, continuum c'est bon, mangez-en. Je sais pas trop comment ça se mange tout ça, mais... On va gulper la matchstick, tant qu'à faire. Pourquoi pas, hein. J'ai de la régène aussi apparemment, donc. Par contre, putain, 0,1 de vitesse, quoi. La vache. Je crois qu'il y a un challenge où t'es lent comme ça, et encore, si ça se trouve, t'es même un peu moins lent que ça, quoi. Non mais niveau dégâts on est bon hein. Y a pas de souci, de toute façon guppy je veux dire. Ah j'ai Dark Bum maintenant que je... D'accord. Y'a Dark Bum dans cet étage. Bah salut dude. Allez voir par là, j'aimerais bien une... la map quoi, ça serait... Ça serait cool. Histoire de voir où on va parce que là putain c'est lent quoi. Je veux dire c'est cheaté mais c'est lent quoi. Et c'est pas par là. Ah mais j'ai Charm of the Vampire en fait. C'est pour ça que je régène. Enfin je crois que c'est ça. Ça devrait être ça mais... Mais bon. Crève, 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 crevez tous. Bonjour, tu es mort. On va espérer que c'est par là. C'est pas par là. En plus, ça, c'est une salle bien chiante. Bon, ça va que je peux voler et qu'il y a des trous. Comme ça, c'est moins chiant. Est-ce que c'est par là? Ça, il y a des chances, ouais. Il y a une curse room, on va aller voir. Hein. Parce qu'on en est là, ouais. Ah, parce que je suis full live, j'ai Dark Bum, y'a pas trop de soucis, hein. Alors. Voilà. Et c'était des pilules. Friends till the end, ok. Verp. Ouais, bah ça va m'en redonner une du coup.
Non, on va garder la Hiérophante. Hein. Utiliser Verb, ça sert strictement à rien là. Verb, ça me refait recracher la pilule que je viens d'être. Que j'ai avalé en dernier en fait. Donc quand c'était Tears Up tout à l'heure, c'était super cool là. Par contre, quand c'est Friends Till the End, alors que j'ai Guppy, pas tellement besoin quoi. Puis le D6 ne me sert plus à rien. Hein. C'est. Ça vaut plus le coup de reroll de toute façon, puisque tous les trucs disparaissent et je sais pas pourquoi ça a pas explosé ça. Mais bon. Pouh, ça c'est fait. Putain, pitié, vite l'étage d'après quoi. Je suis trop lent, ça va pas. Ah ah ah, c'est quoi ça? Agalaz, bah écoute. Ça c'est quoi? Oh non, pas Tears Down. Oh non, ça change tout, c'est moins bien là. Ah mais j'ai écrit Cat's Body en fait, d'accord. Je réalise. Le run est encore plus cool que ce que je pensais donc. Enfin pour cet étage en tout cas. Parce que ça va changer. Sisters Viz, ben salut les mecs, hein. Enfin les filles. Ok, il y en a une qui est morte, l'autre aussi, voilà. Ouais, range up, je prends, il n'y a pas de souci. Alors j'ai eu Eucharist tout à l'heure et ça fait bizarre d'avoir une Devil Room. C'est pas grave. Honnêtement, on va tout prendre, hein, parce que fuck, hein. Je veux dire, point où on en est, franchement, autant tout prendre, plein de trucs. Et se barrer vite parce que cet étage il était nul à chier du coup. Ah, je me retransforme encore. Séraphim, ok cool. Ah, j'ai une vitesse potable. Ah, oh, j'ai l'épée. Oh la vache. Attends, what? Ah, mais oui, ce truc. Ça, c'était un machin de booster pack que j'avais jamais eu. C'est le prisme. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Mais comme vous le voyez, ben c'est. Ça fait l'effet Pink Floyd si vous voulez quoi. Chaque tir qui. Chacun de mes tirs qui passe là-dedans est divisé en 4 de toutes les couleurs. C'est cool. Alors en plus de ça, j'ai la cape, j'ai l'épée de la justice. C'est que des items que j'ai jamais eu finalement, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que c'est des items d'Angel Room, donc du coup ils viennent assez rarement. Très sympa, franchement ouais. J'ai eu du Dead Cat entre temps, d'accord. Enfin je suppose que c'était Dead Cat, hein, vu que j'ai 10 vies maintenant. Il y a un rocher X là. Ah, je ne stompe plus, d'accord. Ok. D'accord. Et j'ai plus de Dark Bum non plus, donc. De toute façon, on s'en fout, hein, je veux dire. Pride, meurt. Empress, Ermite. Hiérophante. Alors, j'ai le censeur qui me suit, j'ai la relique. Que des trucs angéliques d'ailleurs, c'est très marrant. Après, ouais, le prisme sert pas vraiment souvent. Le vrai problème, c'est qu'il me tourne autour finalement, quoi. Ah, mais il reste plus que toi. Voilà. Je pense que c'est pas du tout par là, en fait. C'est par là-bas, effectivement. En plus, j'ai Holy Light. J'ai l'air d'avoir Sacred Heart, même, en fait. Vu la couleur de mes tirs. Je suis pas sûr. Je sais pas, écoute, de toute façon, hein. On est pas à ça près, hein. Moi je suis cheaté là, y'a pas de. Allez, dégage. Ah, c'est pas par là, merde. Ça doit être par en bas, hein. Oh yeah! Crevez tous! C'était pas du tout par là, donc en fait, ouais, j'avais bien raison tout à l'heure. J'aurais dû me fier à mon instinct. Plutôt que de vous écouter, là, vous, hein, vous m'avez induit en erreur. Et vous avez prolongé cet épisode. Qui est parti pour être long en plus.
Ouais, que des cœurs gris partout, c'est cool, parce que je peux pas les prendre, donc yep. Wouhou! Allez, crevez tous. Voilà. Ouais, les contenus des coffres, honnêtement, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Y a pas grand-chose dont j'ai quelque chose à foutre là dans le run, en fait. Je veux dire, voilà, je me casse. J'ai Holy Mantle, en fait. D'accord. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc qui m'a protégé. Je suppose c'est Holy Mantle. Mais... Toi, meurs. Ouais, ben merci pas, hein. Oh, double dingue. Non, double gros caca. Voilà. C'est réglé, y a pas de problème. Et on a une. Salle du boss. Ah, bah, c'est Eclipse. Hein. Il me semblait bien qu'on en était là. Ah, j'ai Duality, d'accord. Bah, écoutez, pour rester dans le thème. On va se prendre un petit cœur blanc. Ça, on va le reroll parce que c'est trop de la merde. Hein. Puis de toute façon. C'est quoi ça? Eden Soul! Ah ouais, mais remarque, c'est mieux que le D6, hein, par le coup. En fait, Eden Soul, comme vous voyez, ça a une barre de recharge très 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 longue et il commence déchargé. Mais une fois chargé, bah, il s'utilise une fois, je crois. Et il drop deux items, il me semble. Je veux dire, c'est l'objet d'Eden, vous voyez. Deux items. Et puis on va se diriger donc vers la cathédrale et on va totalement changer de run encore. Je suis Spun, Curse of the Blind. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Je tire des os à grande vitesse, ça c'est très très cool. J'ai Little... C'est pas Little Brimstone, c'est Little Delirium en fait. J'ai un petit War qui est avec moi. Gulp, ok. Le boss, bah, il est là-bas. D'ailleurs ça tombe bien parce que j'ai la map du coup. Très cool. Attends, c'est par où? Ouais, c'est par là, ok. Ce run est trop bien quoi. Oh attends, une batterie. Oh lol. Eh ben voilà. Alors le D1. Sérieusement, le D1 quoi. Sack of pennies. Enfin remarque, le D1, je sais pas. Peut-être que je sais pas bien l'utiliser en fait. Peut-être que j'aurais complètement pu l'utiliser quand il y avait que le sack of pennies dans la salle. Et oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai des tirs aussi Ah parce que j'ai milk. Oh c'est trop cool ce run. Mais il est fantastique ce run. Y a pas d'autre mot là. Il est trop bien. Voilà. Ça c'est fait. On va quand même aller voir ce qu'il y a là-dedans. On va utiliser le D1 pour voir vraiment. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça prend un truc random dans la salle et ça le dédouble. Ouais, ça a bien choisi celui-là, du coup. Ça c'est paralysé, ça c'est I'm Drowsy. Bon, on va garder ça, de toute façon, on s'en branle un peu du reste. Bah d'ailleurs, en fait... Et donc le D1, je suppose que s'il y a qu'un seul truc dans la salle, ça dédouble le truc dans la salle. Du coup, au chess, ça me paraît pas mal, en fait, comme idée, là, d'un coup... Parce que dans une salle où il n'y a qu'un coffre, bah... Bon bah Isaac, tu vas mourir, hein, y a pas de... Tu ne t'échapperas pas de la mort. La mort de la mort. Des ténèbres. De tout ce qui est dark. Honnêtement, j'hésite, mais on va quand même aller au chest, hein. Parce qu'on a la clé pour Méga Satan, ouais, donc en fait, il faut. J'ai pas le choix. Le... Waouh, c'était quoi ça? Pourquoi il n'y a plus rien d'un coup? Ah putain, parce que... Ah, oh, c'est énorme. Ok, j'ai compris. Si vous voulez que je vous explique, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai marked. Vous voyez, la cible que je bouge, c'est là où je tire en fait. Sauf que, comme vous pouvez le constater,
J'ai l'item qui s'appelle Plop, et qui me fait tirer des boules de billard qui rebondissent entre elles, c'est ça le bruit qu'on entend. Et le truc qui fait que je m'arrête des fois, c'est que j'ai aussi, comment ça s'appelle, Kidney Stone. Ce qui fait que des fois, vous voyez, des fois je suis bloqué, je clignote rouge, et quand je relâche, piou! Donc effectivement, ça va être très drôle. Ouais, on va quand même tout ouvrir, parce que fuck. Libra, ça peut être drôle. Ouais, vous savez quoi, ça peut être drôle. Oh putain, oui, c'était la bonne idée. Mum's Perfume. Mum's Razor. Et Kidney Bean. Et en fait, D1. Ok. C'est très très lol, hein, putain. C'est n'importe quoi, ce run. Ah oui, en plus, je fais très mal. Health up. Ok, bah, si tu veux, hein. C'est quoi, ce délire? C'est trop génial. En plus, ce qui est marrant, c'est que Erwan avait posté une vidéo il y a... Bah, je crois hier. Ou avant-hier, je sais plus. Format, attends, elle va sortir quand, cette vidéo, pour vous? Ouais, non, si, hier. Bon, ou il y a... Enfin, il y a pas longtemps, quoi. D'un setup qui faisait à peu près ce que j'ai là, donc... c'est marrant. Il y a de ces trucs dans Isaac. C'est pour ça aussi que je m'en lasse pas de ce jeu. C'est parce que... Vous voyez tous les trucs qu'à la con qu'on peut obtenir, quoi. C'est nimp! C'est totalement nimp! Du coup, si vous arrivez à suivre, bravo, hein, GG. Hein. Parce que moi, non. Hein. Déjà que j'arrive même pas à situer où je suis, vraiment. Ah, sauf quand ça s'arrête, ouais, mais... Mais quand ça s'arrête, c'est pas drôle, hein. La vache! En plus, c'est surpuissant, quoi! On va aller voir si on peut aller dans la course, dans la... On peut pas aller dans la Secret Room, ok. Mes tirs font trop bouger les bombes, je peux pas. Je maîtrise plus rien, là. La Bible, mais oui! Tout ce qu'il me fallait, la Bible. Alors, cette carte, c'est quoi? Two of Hearts, ouais! Allez, Black Rune, on aspire la Bible! Mais c'est limite, j'ai même pas besoin de tirer, quoi, c'est complètement cheaté. Même double adversary, quoi. Même sans faire exprès, je l'ai tué, quoi. Gera, oh mon dieu. Si j'avais su, hein. Putain, mais c'est... Pour info, je tire même pas, hein. C'est le jeu qui tire tout seul, hein. Parce que j'ai marqué, en fait, donc voilà. C'est censé viser la cible qui est au sol. Qui... Mais bon... C'est n'importe quoi. Il est trop bien, ce run. Missing No, putain. Ah ouais, non, mais là, c'est... Oh la vache, c'est le run le plus what the fuck que j'ai jamais eu, quoi. Dagaz, ouais. Ah, il y avait une curse, ok, d'accord. Bon. Bon, ce que je propose, c'est qu'on aille au boss, hein, quand même. Oh. Attends, 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 il y a un truc qui va pas. Voilà, ça va mieux. Allez, Blue Baby. Il est mort. Bon, par contre, c'est pas lui qu'on veut, hein, lui, on s'en fout. On va D1 ce coffre, voilà. Oh, mon dieu, alors attends, Tiny Planet, ça va faire quoi, maintenant? Oh, c'est énorme! Waouh, ok, j'adore. On va prendre cette merde aussi, Kane's of the Eye. Ça sert à rien, mais on va le prendre. Ah, j'aurais dû Gera, putain. Ah, pourquoi vous m'y avez pas fait penser? Attends, on va voir ce qu'il y a là-dedans, maintenant que ça s'est calmé un peu, là. Oh, bah, parfait. Oh. Alors, attends. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ah mais non, merde, je suis con, le D1, ça dédouble pas tout, ça dédouble un truc au hasard. Ah ouais, donc c'est moins bien, en fait. Donc il faudrait que je gère tout de suite. Pour donner plus de chance au D1 d'être efficace. Voilà. Et du coup, on va ouvrir tout ça. Bomber Boy, oui. Black Bean, oui. Oh mon dieu, Speedball, et surtout Rubber Cement, oui. On va tester ce que ça fait après, hein. Taurus, non, honnêtement, enfin, non, j'ai envie de tirer, en fait. Non, puis le reste, non, en fait, c'est pas important. Alors, voyons voir comment je tire. Et ouais, du coup, les tirs sont bloqués dans la salle, elles peuvent pas sortir. Elles rebondissent contre les murs, donc... C'est nimp.
Oh, j'adore. En plus, ça fait trop zarb, quoi. Je veux dire, c'est censé être des yeux, mais je sais pas, on dirait plus des... Enfin, je sais même pas ce qu'on dirait, en fait, mais... Et puis surtout, en plus, j'ai le parasite, machin truc, donc je tire à moitié des œufs d'araignée, ou je sais pas trop quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe. Mais genre vraiment, quoi. On va aller par là, ou peut-être par là, je sais pas. En plus, Tiny Planet, quoi. Il me fallait vraiment ça, quoi. Ah ouais, merde. Voilà. En plus, ce bruit que ça fait, putain. Ouais, Distant Admiration, ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'il me fallait ça, franchement. Elle est où la première salle de l'étage? Parce que là... C'était celle-là, non? Non. Ah non, ça devait être celle en bas, là. Voilà. Bon, bah... Mega Satan! Putain, mais mec, t'es mort, quoi. J'aurais dû charger mon truc avant. Mais c'est pas grave. Et bim! En fait, j'ai juste à me mettre là, puis voilà. Sérieux, quoi! Le méga Satan le plus rapide du monde! World record! Et voilà, maintenant il reste plus que méga Satan lui-même. Voilà, c'est fait. Je veux dire, je m'en fous de ce que tu me tires là. Je... Allez, délirium, délirium, délirium. Oh, délirium! Alors attends, je suis où? On peut le rater, voilà. On va en direction de The Void, pour ceux qui n'ont pas tout compris. J'ai encore une transformation! Ah mais oui, du coup, mon run change, c'est vrai. Oh la vache. Waouh, ok. Je prends, y a pas de souci. Bon, alors il me faudrait la map, tout de suite. Un genre de map, quoi, que je m'y retrouve, au moins. Non, parce que là, on est bon, hein. Là, le run est... Ce run aussi, il est bien, putain. La vache. Putain, mais c'est... Il est énorme, ce run. C'est trop bien, quoi. Oh, juste péter les cailloux dans le doute. Ouais. Plus de bombes. J'en avais que 100. Je me suis fait toucher comme une merde, c'est pas grave. Parce qu'à ce stade, on en a plus rien à foutre. Tiens, c'est vrai ça, si tu utilises le D1 sur une clé chargée et qu'il n'y a que ça dans la salle, ça fait clé infinie en fait. C'est bon à savoir ça, tiens, c'est... Putain, mais non, mais c'est n'importe quoi là. J'ai un laser que je tire instant, non-stop, avec un de tirs, c'est-à-dire à chaque frame je tire quoi. Et qui fait 9 de dégâts quoi. Mais Delirium, il va fondre quoi. Enfin, si je trouve un boss déjà, ça serait cool. Genre, juste un petit boss, quoi. Juste histoire de dire. Histoire qu'il y ait des boss dans cet étage, quoi. Parce que putain, normalement, il y en a plein, quoi. Ouais, il y a un rocher X, je sais. Ouais. J'en suis au stade ou même ça, je m'en fous. Hein. Ok. Ouais, c'est cool. Toujours pas de boss, putain. Ah, quand même. Alors, est-ce que ça va être Delirium? Ça peut l'être. Tears down. Non, on va garder ça, voilà. Et c'est The Bloat. LOL. Oui, bah, c'est pas grave. Hein. J'en ai, à vrai dire, rien à foutre. L'appel. Je sais même pas si ça marche. Non, ça marche pas. Eh bah, tant pis. Alors. Ce run. Pourtant, ce run commençait comme un run tout à fait classique. Hein. Mais j'adore. Franchement, je kiffe tellement là. On va aller plutôt à gauche alors. Hein. Dans la partie gauche de la map. Voilà. C'est juste énorme.
Ouais, je veux dire, à ce stade, on veut juste finir, quoi. On veut juste le battre Delirium, et puis voilà, quoi. Ah, mais il va exploser sur place, quoi. La grande salle. Pas de problème. Normalement, voilà. Ace of Hearts, oui. C'est nul à chier, mais on s'en fout. Ça va trop vite. Je me fais toucher dans tous les sens, j'en ai rien à battre. Ouais, cœur gris, c'est bien. Paralysis, ouais, bien. Allez, un boss, putain. Qu'on avance au moins, quoi. Ok, il y a un boss. Malheureusement, là où il est, ça peut pas être Delirium, donc bon. C'est monstre de... Il est mort. Et le slip de mum. Très important, le slip de mum, quand tu tires un laser. En plus, ils me mettent 7 salles. Oh, Black Rune, ouais. On va prendre la Black Rune, puis on va s'en foutre de lui, en fait. Alors ça, pour l'instant, ça peut être Delirium, parce que je connais pas ce qu'il y a après sur la map. C'est pas Delirium. C'est Adversary. Qui me donne Little Haunt. Ouais. Si tu veux. Et on continue l'étage. Ce run, putain, mais... Mais j'adore. Alors, ça peut être Delirium. C'est Delirium. Cool. Putain, mais comme il prend cher, putain. La vache. Ah ouais, tu les aimes, les lasers, dans ta gueule, hein. Hein, tu les adores, hein. Tu les kiffes, hein. Attends, tu me fais pas peur. En plus, je drop des cœurs, je sais même pas pourquoi. Et voilà. Bon bah, ce fut bref, hein. Eh ben, c'est ce que j'appelle une branlée totale, hein. Allez, fin du run. Ça, c'est fait. Voilà. Eh ben, putain qu'il était bien celui-là. Donc, eh ben, c'est la fin de cet épisode, tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous au prochain épisode où je pense qu'on fera un run avec Eden, hein. Ou un random. Enfin, pas Isaac, quoi. Enfin, pas forcément Isaac, ça peut très bien tomber dessus. Hein. Déjà qu'Isaac est à peu près random avec son D6, c'est pour ça qu'il est intéressant. Mais enfin bref, donc fin de l'épisode, salut à tous, portez-vous bien, et joyeux Noël!